Chrysélidis et moi. Chrysélidis réelle, femme inspirante, folle et poète majestueuse, qui aligne dans son corps, s'il le faut, bouche et vagin, et dévore d'un même goulu appétit le sexe des hommes et celui des mots. À chacune son parcours, dans le chaos de l'enfance en errance, où les mots, pris au corps, déraillent et s'entaillent à bouche cousue, que veux-tu ? J'ai les goûts en pluriel, celui de lire, celui d'écrire, celui de rire, celui de jouir. Dans le gémir d'un corps tombeau, retrouver un instant le cri d'un nouveau-né, glapir et mourir d'une petite mort, à l'une ou en duo. Les éclats d'un vernis écaillé, des abus corsetés d'une société ignorante, encore de ce que peut la femme. S'autoriser de nul autre qu'elle-même dans une parole libérée et que les joutes en coup bas soient réservées à d'autres. Ni guerrière, ni pute, ni soumise, et tout ensemble pourtant, en facettes, miroir aux alouettes du discours formaté. Chrysélidis se revendiquait femme, écrivain, peintre et prostituée. Je suis femme, adoubée sans armure, et j'accueille cette pluralité des fonctions, des désirs, et je sais d'où je parle. Mon miel a le goût des traversées, des cicatrices et morsures du passé. Quelle est belle la parole, quand elle ne s'entache ni de remords, ni de regrets. Une traversée en aventure d'une vie au singulier, que la fête soit belle et que les rires s'invitent. J'habite le monde en douce poète.